الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous allons parler, inshallah, du jour dernier, يوم القيامة, du jour de la résurrection, plus particulièrement les comptes. Et les comptes devant Allah Tabaraka Ta'ala vont se faire de 6 façons différentes. Alors d'abord, compte. D'abord, avant de rendre le compte, demander les comptes aux hommes, Allah Ta'ala va demander le compte aux animaux. Excusez-moi, je remonte plus avant encore. Allah Ta'ala ressuscite les humains du début à la fin de la création. Et ressuscite aussi les djinns. Et ressuscite aussi les animaux. Après aussi, il y a les anges qui enterrent les créatures et qui sont plus nombreux encore que toutes les créatures. Et puis, le premier ciel s'ouvre et les anges du premier ciel descendent et encerclent les gens. Et les anges du ciel sont encore plus nombreux que toutes les créatures de la terre. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le ciel gémit et il a raison de gémir. » Car il n'y a pas une place de cinq doigts où il n'y a pas un ange qui pose son front, se prosternant devant Allah. Ensuite, le deuxième ciel s'ouvre et les anges du deuxième ciel descendent et encerclent les créatures. Ils sont encore plus nombreux que tous les autres. Voyons matashaqqaqa as-sama'u bil-ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila. Le jour où le ciel se fend, bil-ghamami, le ciel se fend, provoquant des nuages, et les anges descendent, ainsi de suite jusqu'au septième ciel, et c'est là que il y a 8 anges qui portent le trône d'Allah, qui ramènent le trône d'Allah, et on approche le soleil des créatures, et les gens ont très chaud et transpirent, sauf ceux qui sont sous le trône d'Allah. Et les gens vont tellement souffrir, ils vont demander à Allah de faire les comptes pour que de les envoyer en enfer et au paradis et de ne pas rester dans cette situation. Avant de demander le compte aux hommes, Allah Ta'ala demande, fais les comptes entre les animaux. Et chaque animal qui a fait du tort à l'autre, Allah va donner à la victime les moyens de se venger et il va rendre le mal qu'il a subi. Ensuite, Allah Ta'ala leur dit, Kounou turaban, soyez poussière. Et ils redeviennent à la terre. Et le mécréant va dire, ah, si je pouvais être de la terre. Et puis Allah va faire les comptes entre les humains. Et Allah Ta'ala commence par les prophètes. Et Allah Ta'ala nous donne deux scènes dans le Coran qui nous montrent combien les comptes sont durs. La première scène, c'est l'interrogation des prophètes. Quand Allah Ta'ala dit, يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. Le jour où Allah réunit les messagers et leur demande qu'est-ce qu'on vous a répondu, ils disent nous ne savons pas. إنك أنت علام الغيوب. C'est toi qui connais les choses cachées. Allah dit aux messagers, je vous ai envoyé, je vous ai donné le message, la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens ont cru? Est-ce que les gens ont suivi? Est-ce que vous avez accompli cette mission? Et les messagers savent très bien qui a suivi, qui n'a pas suivi, comment les choses se sont passées. Mais la question est posée d'une façon tellement dure qu'ils sont déstabilisés, qu'ils ne savent plus quoi répondre et qu'ils disent « Nous ne savons pas, c'est toi qui sais. » Alors qu'ils savent très bien qu'est-ce qui s'est passé, qui les a suivis ou pas. Et quand les gens voient avec quelle dureté Allah Ta'ala parle à ses prophètes, ils sont encore plus pris de panique. Ça, c'est les prophètes et les élus d'Allah, auxquels Allah parle d'une façon tellement dure. Mais qu'est-ce qui va nous arriver, nous autres? La deuxième image de la dureté des comptes, Allah Tabaraka Ta'ala dit, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Quand on interroge la fille enterrée vivante, par quel péché tu as été tué? Les Arabes avaient cette mauvaise habitude de tuer leur fille. Des fois aussi les garçons par pauvreté, mais plus souvent les filles par crainte
du déshonneur. Quand quelqu'un a une fille, elle commence à grandir, elle devient une petite fille, elle est jolie, etc. Donc il commence à s'imaginer qu'elle va le déshonorer et que cette honte sera insupportable pour lui. Et il va la tuer comme ça. De quelle façon? En l'enterrant vivante. Il creuse un trou, il la jette dedans, il la recouvre de terre, il la laisse mourir sous la terre. Et donc Allah Ta'ala dit qu'on interrogera cette fille-là. Par quel péché tu as été tué? Mais qu'est-ce que tu as fait pour que ton père te tue de la sorte? Tu as dû faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi pour qu'on te punisse comme ça, pour que ton père te fasse ça? Et la fille dit, j'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi mon père m'a tué. Est-ce que vous voyez? Cette fille, qui est tout ce qu'il y a de plus innocent, voilà comment Allah Ta'ala va lui parler. Par quel péché tu as été tué? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Allez, dis. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton père te tue ainsi? Elle dit, mais j'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi mon père m'a tué. Hein? Cette fille innocente. Et nous autres? Et nous autres, qu'Allah ait pitié de nous. Donc les contes et Yawm al-Qiyamah vont se faire de 6 façons différentes. La première façon, c'est pour les mécréants. Dans un hadith qudsi, Allah Ta'ala demande les comptes aux mécréants en deux phrases. Il dit, mon serviteur, je t'ai créé, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Allah, ce que tu m'as donné, je l'ai ramassé, je l'ai travaillé, je l'ai laissé plus que ce que tu m'as donné. Moi, j'ai travaillé. J'ai fabriqué des chaussures. J'ai construit des maisons. J'ai fait des plantations. J'ai multiplié les bienfaits. Toute ma vie, j'ai fabriqué, etc. Et Allah lui dit, mais est-ce que tu as pensé que tu allais me rencontrer? Qu'est-ce que tu as fait pour ce jour, pour cette rencontre? Il dit non. Et Allah lui dit, aujourd'hui je t'oublie comme tu m'as oublié. Comme Allah Ta'ala dit, aujourd'hui nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de ce jour. Et ils renient mes versets. C'est terminé pour le mécréant. Il n'y a pas pour le mécréant le détail des actions. Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as menti? Puisque il n'y a pas la foi. Donc à quoi servent les actions? Il n'y a pas pour les mécréants le livre à droite ou à gauche, puisqu'il n'y a pas d'action à mettre dans son livre. Il n'y a pas pour le mécréant les comptes entre les gens. Tu m'as fait du mal, je te prends tes hasanettes, etc. Puisqu'ils n'ont pas de hasanettes. Il n'y a pas pour les mécréants la balance, puisqu'il n'y a pas d'action à mettre sur la balance. Leurs actions sont nulles. C'est-à-dire que même s'ils ont fait des bonnes actions, ce n'est pas pour Allah. Donc ça ne vaut rien. Donc on ne leur établira pas de balance le jour dernier. Et les mécréants ne vont pas passer sur le pont Sirat pour tomber dans l'enfer. C'est les anges qui les prennent et qui les jettent directement dans l'enfer. Chaque fois qu'on les lance un groupe, les anges gardiens les interrogent. Mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Donc les anges les prennent et les jettent directement dans l'enfer. Donc voilà pour les mécréants. Ensuite, la deuxième façon de rendre les comptes, c'est Ashab al-Shimal. Les gens de la gauche, c'est les musulmans, les croyants qui ont fait trop de péchés et qui vont payer en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et après cela, ils iront au paradis, après avoir payé leurs péchés en enfer. Donc les gens de la gauche, Allah tabaraka wa ta'ala va les interroger sur tout ce qu'ils ont fait. Tout. On pose le livre et tu vois les criminels qui ont peur, qui sont découragés de ce qu'il y a dedans.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils disent malheureusement, mais ce livre n'a laissé aucune petite ni grande chose sans la mentionner. Allahu Akbar. Allah va l'interroger de tout ce qu'il a fait. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille dans le haram. Son boulot, il est haram. À chaque euro, à chaque gain de haram, Allah lui dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as vendu ça? Pourquoi tu as fait ça? Toute la journée, il fait ça. Que ce soit l'alcool, que ce soit le riba, que ce soit la corruption, que ce soit n'importe quelle chose qui est haram. À chaque fois, Allah lui demande, Allah lui demande, Allah lui demande. Par exemple, si c'est une femme qui n'est pas voilée, chaque fois qu'un homme l'a regardée, a regardé sa aura, sa nudité, Allah va lui demander. Ah, nous voici, samedi 25 juin 2011, le matin tu es sorti de chez toi, il y a un homme qui t'a regardé, pourquoi tu t'es pas couvert? Et puis un autre, et puis un autre, et tu es allé au marché, Allahu Akbar. En ce jour seulement, combien de péchés? Hein? Imaginez alors, si c'est une femme vraiment qui se dénude avec extravagance, qu'Allah ait pitié de nous. Des péchés par centaines tous les jours. Allah interroge sur la moindre petite ou grande chose. Et des fois, la personne va nier. Elle va dire, non, j'ai pas fait ça. Et quand il va nier, Allah Ta'ala va fermer sa bouche. Et Allah Ta'ala va faire témoigner ses membres. Et ses membres vont parler. Oui, nous avons fait. Oui, la langue va dire, j'ai parlé. Les pieds vont dire, j'ai marché. Je suis allé à tel endroit. Etc, etc. Tout son corps va témoigner. Et puis, Allah Ta'ala va faire témoigner la terre. Ce jour-là, elle raconte ses nouvelles. La terre va raconter tout ce qui s'est passé dessus. Et Allah va faire témoigner les anges. Les anges vont témoigner de ce qu'il a fait. Et puis Allah Ta'ala lui rend la parole. Et il va insulter ses membres. Et il dit, Tabban lakunna wa sofa. Fa'al kunna kuntu unadu. Il dit à ses membres, malheur à vous, c'est vous que j'essayais de sauver. Pourquoi vous m'avez dénoncé? Ils disent, c'est Allah qui nous a fait parler. C'est lui qui a fait parler à toutes choses. Et quand Allah a fini de lui demander les comptes, Allah lui fait des reproches. Ya ayyuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Et là, pourquoi tu t'es retourné contre ton Seigneur généreux? Hein? N'est-ce pas que j'étais généreux envers toi? Je t'ai créé, je t'ai donné, je t'ai fait tout facilité. Mais pourquoi tu t'es comporté comme ça? Pourquoi tu n'as pas eu peur de moi? Tu n'as pas eu honte de moi? Tu étais ingrat envers moi. Pourquoi? Explique-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Subhanallah. Et la personne va pleurer jusqu'à ce que il n'a plus de larmes, et pleurer le sang jusqu'à ce qu'il n'a plus de sang, et se mordre les doigts jusqu'aux épaules. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Le jour où l'injuste se mord les doigts, se mord les mains, et dit, ah, j'aurais dû suivre le prophète. Vous voyez? C'est comme si quelqu'un, tu lui as fait du bien, et puis il t'a fait un sale coup, il a pris ton argent, ou il t'a vraiment, il t'a fait un sale coup, il est parti, il a disparu. Et après un temps, tu le retrouves, et bien tout ce que tu as accumulé dans ton cœur, tu vas lui dire, toi là, avec tout ce que je t'ai aidé, et je t'ai donné, et parmi tout le monde, c'est moi qui te soutenais. Et c'est comme ça que tu m'as fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais comment tu es? Est-ce que vous voyez? Tu vas vider ton cœur. Hein? Ce que tu n'as pas pu lui dire pendant tout ce temps, tu vas vider ton cœur. Et Allah Ta'ala va lui dire tout ce qu'il a à lui dire.
Allah va lui dire tout ce qu'il a à lui dire. Pourquoi tu t'es comporté de la sorte? Et puis il reçoit son livre de sa main gauche. Et il y en a qui cachent sa main gauche derrière son dos pour ne pas prendre son livre avec sa main gauche. Et sa main gauche va traverser son dos, sortir par sa poitrine pour qu'il prenne son livre de sa main gauche. Quand il a fini de lire ses œuvres, ses péchés, on lui enlève le livre, on lui met sur le dos. On accroche son livre à son dos pour que tous les gens puissent lire ses péchés, pour que tout le monde puisse voir tout ce qu'il a fait. Voilà comment il a forniqué, comment il a menti, comment il a laissé les prières, etc., etc. Voilà tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Le jour où les secrets seront divulgués, particulièrement la trahison, celui qui a trahi la confiance de quelqu'un. Chaque traître aura un drapeau dans ma perle proportionnel à sa trahison, aussi grand que sa trahison, où il est écrit: voici la trahison de un tel par un tel. Voilà, ils étaient associés, il a pris son argent, etc. Quelle que soit la nature de la trahison, ça va être mentionné. Voici donc la deuxième façon de rendre les comptes, qui sont les gens de la gauche. La troisième façon de rendre les comptes, c'est les gens de la droite, Ashab al-Yamin. Et les gens de la droite, ils ont fait du bien, ils ont fait du mal, mais le bien a dépassé le mal. Et Allah, eux aussi, va leur demander les comptes détaillés de tout ce qu'ils ont fait. Sauf que eux ne vont pas nier leur péché. Et à la fin, quand Allah a fini de tout demander, on a tout passé au peigne fin. Allah Ta'ala leur rappelle ses bienfaits. Il dit: mon serviteur, je t'ai créé dans le ventre de ta mère. Un long hadith détaille cela. Je t'ai fait naître sur une plume d'un ange. J'ai mis ton amour dans le cœur de tes parents. Quand tu ne pouvais pas marcher, ni prendre, ni tu n'avais pas de dents pour mordre, mais j'ai mis ton amour dans le cœur de tes parents, pour qu'ils ne se reposent pas jusqu'à ce que tu te reposes, qu'ils ne dorment pas jusqu'à ce que tu dors. Et j'ai mis le lait dans le sein de ta mère, etc. Mais après tu as grandi, tu t'es tenu debout, tu t'es senti fort. Tu m'as défié par tes péchés, tu n'as pas eu honte de moi. Et te voici aujourd'hui devant moi. Tu as reconnu toutes tes fautes et tes erreurs, et tu es convaincu de partir en enfer. Et pourtant, je vais t'accorder mon pardon. Et je vais te donner ma satisfaction. Et à cause de toi, je me suis nommé le puissant, le pardonneur. Voilà aujourd'hui, j'ai la puissance de te punir, mais je choisis de te pardonner. Et Allah lui pardonne. Et Allah efface ses péchés. Et il reçoit son livre de sa main droite, sans que ça ne contienne aucun péché. Et c'est là qu'il dit: ha, au moqara, au kitab, ya. Il dit: regardez mon livre, il n'y a que des bonnes actions. Donc, puisqu'on va peser le pour et le contre, et que le contre, il n'y en a pas, donc j'ai gagné. C'est comme si toutes tes notes sont au-dessus de la moyenne. Ben, forcément, tu as la moyenne, puisque toutes tes notes sont bonnes. Donc, tu as réussi. Et c'est sa joie. Et regardez, il est tellement joyeux. Quand il dit ha au moqara au kitab, il vient te dire: hey, regarde mon livre, j'ai gagné. Il ne cherche pas à savoir toi si tu as gagné ou si tu as perdu. Lui, il est tellement joyeux. Il te parle seulement de sa réussite à lui. Hein? Toi-même, tu as réussi, tu n'as pas réussi. Et il ne pense pas à ça. Il pense que à ça. Hey, j'ai gagné, c'est tout. Il est tellement joyeux. Il va montrer ça à tout le monde. Ashab ul-Yamin. La quatrième façon de rendre les comptes,
C'est Al-Abrar. Al-Abrar. Les bons. L'un tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Vous n'atteindrez pas le bien jusqu'à dépenser ce que vous aimez. Donc, dépenser ce qu'on a de mieux, de plus cher pour Allah tabaraka ta'ala. Al-Abrar sont ceux qui donnent ce qu'ils ont de mieux pour Allah. Le meilleur de leur temps, le meilleur de leur argent, le meilleur de leurs moyens. Qui font le maximum pour Allah. Qui évitent les péchés, même si ça va être, ça va leur coûter cher. Même s'ils vont faire des sacrifices, même si les gens sont fâchés, même s'ils vont perdre des avantages. Donc ceux qui adorent Allah avec des sacrifices, en donnant ce qu'ils ont de plus cher, en donnant la priorité à leur religion, en faisant de leur mieux. Vous voyez, quelqu'un qui fait un maximum d'efforts pour la satisfaction d'Allah. Al-Abra. Ceux-là, ils ont Al-Hisab al-Yasir, les comptes faciles. Et le prophète dit Al-Hisab al-Yasirun mahma kana yasir. Les comptes sont durs, même les plus faciles. Mais les comptes faciles, c'est quoi? C'est Al-Arf. Ça veut dire l'exposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala regarde passer leurs péchés, mais ne leur pose pas la question. Hein? Parce qu'ils ont fait tellement de bien, tellement d'efforts. Donc, il y a aussi des péchés parce que l'être humain est ce qu'il est. Mais les péchés sont rares et sont minimes, pas si graves. Donc, pour ne pas gâcher cette journée de récompense, Allah ne va pas leur dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as menti ce jour-là? Pourquoi tu as pris cet argent pour aller? Non. Allah regarde le péché et ne leur pose pas la question. Malgré cela, au moment où le péché passe, la personne a peur et la situation est difficile. Mais ça passe. Allah ne pose pas la question. Ça y est, c'est fini. Et ensuite, Allah efface les péchés. Et il reçoit aussi son livre de sa main droite. Ça, c'est l'Abrar. Quatrième niveau des comptes. Cinquième niveau, Al-Muhsinun, les bienfaisants. Al-Ihsan, An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache au moins que lui te voit. Ça veut dire que si on part du niveau de l'Abrar, quelqu'un qui fait un maximum d'efforts pour Allah Tabaraka Ta'ala, qui donne le meilleur de son temps, de son argent, de son énergie, tout ce qu'il peut pour Allah. Et puis, maintenant, il commence à goûter la spiritualité. Il trouve le plaisir dans sa prière, dans le dhikr. Il n'a plus plaisir à dormir. Il attend les heures de la nuit pour être avec Allah. Il est plus heureux d'être avec Allah que de manger une bonne nourriture, que de penser à ces choses. Il voit toute la vie autrement et il sent qu'Allah Ta'ala le regarde. Il est passé à un autre niveau de spiritualité, de vivre avec Allah, de voir les signes d'Allah en toutes choses, de vivre les signes qu'Allah nous dit dans le Coran, de vivre la crainte d'Allah Ta'ala. De ne pas oublier la pensée d'Allah. Adorer Allah comme si tu le vois. Au moins, sache que lui te voit. Et maintenant la prière, il est parti. Comme si il est dans un film. Comme s'il n'est plus dans ce monde, il est parti. Dans le tasbih, dans le Qur'an, dans le takbir. Jusqu'à ce qu'il revienne. Salam alaikum. C'est là qu'il se retrouve ici. Allah nous aide. Cela, quelle est leur récompense? وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Telle est la récompense des bienfaisants. Allah expie le mal qu'ils ont fait et va les récompenser selon le meilleur qu'ils faisaient. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala va chercher la meilleure prière qu'il a faite dans toute sa vie. Là où il était avec Allah, du début jusqu'à la fin, dans la crainte, dans le recueillement.
Et Allah va compter toutes les prières de sa vie comme celle-là. Et de même pour le dhikr, pour le jeûne, pour la lecture du Coran, pour tous les types d'adoration. Pourquoi? Parce que tu as fait l'effort pendant des années, des années, des années. Et ton objectif, c'était ça. C'était d'être avec Allah, de vivre ta foi, de vivre la crainte d'Allah, de sentir qu'Allah te regarde. Et tu as fait l'effort de te purifier, d'enlever la dounia de ton cœur, de changer tes habitudes, de contrôler ta langue, de te concentrer, de prier, de jeûner, de jusqu'à ce que tu atteignes ça. Allah Ta'ala va compter toute ta vie depuis la première prière que tu as faite, comme le top que tu as atteint dans ta vie. Al jaza'ul ihsani illa al-ihsan. La récompense de la bienfaisance. Serait-ce autre chose que la bienfaisance? Tu as fait tout ça pour Allah? Tu crois qu'Allah en fera moins pour toi? Allah te donnera encore plus. Donc ça, c'est le muhsinou. Les péchés qu'ils ont faits, ils ne les verront même pas. C'est la récompense, la multiplication, les cadeaux, le jour des honneurs, le jour de l'élévation, de la bienfaisance d'Allah. Tu as été bienfaisant envers Allah? Et la bienfaisance d'Allah est plus encore. Voici le cinquième niveau des comptes. Le sixième niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a dans cette Ummah 70 000 qui entre au paradis sans compte et sans châtiment. Donc, ce sont ceux pour qui il n'y a même pas de compte. Eux, c'est la récompense, la récompense, la récompense. Qu'on ne peut même pas comptabiliser. Regardez par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un serviteur d'Allah qui a dit « Ya Rabbi, لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Seigneur, à toi la louange, comme le mérite la majesté de ton visage et l'immensité de ton royaume. Et les anges ont écrit, écrit, écrit les hasanats jusqu'à ce qu'ils se sentent épuisés. Et ils sont remontés à Allah. Ils ont dit à Allah, ton serviteur a dit une parole. On n'a pas su comment l'écrire. Et Allah dit, qu'est-ce que mon serviteur a dit? Et ils disent, Ya Allah, il a dit, Ya Rabbi, lakal hamdu, Seigneur, à toi la louange, comme le mérite la majesté de ton visage et l'immensité de ton royaume. Et Allah leur dit, écrivez-la tel que mon serviteur a dit. Et le jour de la résurrection, c'est moi qui vais le récompenser. Donc il y a des gens qui ont une récompense qui n'est pas comptabilisable, qui dépasse les comptes, qui dépasse les calculs. Il y a cet imam, je pense que c'est Malik ibn Dinar, mais je ne me rappelle plus tellement, qui au pèlerinage a dirigé le sermon, la khutba, au pèlerinage. Et il a commencé à dire Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa kafa biha ni'ma. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam. Et cela suffit comme bienfait. Et il a fait son discours. L'année suivante, il a encore dirigé le pèlerinage. Il a encore fait son discours. Et il a dit la même phrase. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islami wa kafa biha ni'ma. Louange Allah pour le bienfait de l'islam. Et cela suffit comme bienfait. Et l'ange à sa droite a parlé. Il a dit, mais on n'a pas fini d'écrire celle de l'année dernière. Hein? Moi j'ai dit, mais celle que tu as dit l'année dernière, on n'a pas fini d'écrire des hasanat. Tu nous en remets une autre encore. Mais on a du boulot pour plus d'un an. Comment on va faire maintenant? Vous voyez? Il y a des récompenses qui ne sont pas comptabilisables. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous accepte. La connaissance de ces six niveaux de compte, c'est pour que, quel que soit notre niveau, en tout cas, là où on voit plus ou moins, où on est, qu'on ait vraiment l'envie d'aller plus loin. Qu'on ait vraiment l'envie d'aller plus loin. Quel que soit où la personne se situe, dans le bien, dans les bons niveaux, et bien si tu montes un grade,
c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'on fasse tout où qu'on soit pour aller plus loin encore, faire plus pour notre Barakotan, quand notre âme nous aide. Après les comptes avec Allah, chacun reçoit son livre en ce qui concerne les croyants. Les mécréants, comme on a dit, n'ont pas de livre. Après, Allah Tabaraka wa Ta'ala va laisser 100 ans et au Malqiyama pour que les gens rendent les comptes entre eux. La chronologie des événements, c'est que d'abord, on rend les comptes avec Allah. Ensuite, chacun reçoit son livre de tout ce qu'il a fait. Ensuite, les gens vont rendre les comptes entre eux. Quand chacun dispose de son livre, de son stock de bonnes et mauvaises actions, c'est avec ça que les gens vont négocier pour payer le mal que chacun a fait à l'autre. Et une fois que cela est fini, on va mettre les actions sur la balance. Ce qui fait que les actions qu'on va mettre sur la balance, ce n'est pas exactement tes œuvres à toi. C'est tes œuvres, mais après, tu as payé aux gens, les gens aussi t'ont payé. Donc voilà, c'est le net qui arrive à la fin, qui sera mis sur la balance. Et c'est ça qui est déterminant, si ça penche à droite ou si ça penche à gauche. Il y en a certains qui sont ex-aequo. Donc, les gens vont rendre les comptes entre eux. Chacun qui a fait du mal à l'autre va payer avec ses hasanat. Si il n'a pas ou il n'a plus de hasanat, il va prendre les péchés de l'autre. Est-ce que vous savez combien on paye pour un mal qu'on a fait à quelqu'un? On a tapé, on a volé, on a insulté. Quel que soit le tort qu'on a fait à quelqu'un, combien est-ce qu'on va payer? Alors, c'est très simple. La personne va prendre tes hasanat jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Par exemple, Maulana est là. Je lui mets un coup de poing. Eh, cher Staffallah, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, allez, t'inquiète pas, voilà, 10 euros. 10 euros pour un coup de poing, mais tu me prends pour qui? Bon, voilà 20 euros. 20 euros? Bon, voilà 50. Ah, 50, il n'y a pas de problème. Ah, si tu veux recommencer, c'est quand tu veux, hein. 50 euros le coup de poing, c'est bon, hein. Ah, tu peux y aller. Ah, c'est bon, je suis content. Ça veut dire qu'il va prendre jusqu'à ce que toute la colère qui est dans son cœur ait disparu. Et maintenant, il est content. Hé, hey, toi là, viens ici. Ah, tu as volé mon argent, tu m'as insulté. Tu m'as fait ça. Allez, donne, prière, donne, Ramadan, donne. Ah, c'est bon, hein? On est des frères, hein? Il n'y a pas de problème entre nous maintenant. Non, t'es mon frère, hein? Allez, bon courage pour la suite, hein? Allez, bon courage, mon frère, c'est bon, il n'y a plus rien entre nous, hein? Voilà, maintenant il est content. La colère est partie. C'est la justice d'Allah. Aussi, il ne va pas prendre plus que ce qu'il lui faut. Il va prendre ce qu'il lui faut pour enlever cette colère qui est en lui. Ça veut dire que le prix à payer pour le mal qu'on fait, ça ne dépend pas de la chose qu'on a faite, ça dépend de comment la personne l'a subi. Ça veut dire, le même mal, ça n'a pas le même effet sur les gens. Il se peut que quelqu'un, je lui prends 100 euros, il s'en fout complètement. Un autre, ça lui fait vraiment mal. Un autre, il ne va jamais te pardonner ça. Vous voyez? C'est différent. Donc, c'est comme ça la justice. Et ce moment-là, Allah Tabaraka Ta'ala nous donne deux images dans le Coran pour nous montrer comment les comptes entre les gens se déroulent. Deux images qui nous montrent la dureté de cette situation. La première image, Yawaddul Mujrimu, la yaftadi min adabi yawma idin bibali. Le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. Le criminel qui a passé sa vie à faire des péchés, qui a eu son livre de sa main gauche, qui voit qu'il est foutu. Lui, il voit qu'il lui reste un espoir pour se sauver de l'enfer.
Il reste une solution. C'est quoi? C'est de trouver les gens qui leur ont fait du mal pour arracher leur hasanat, pour leur donner ses péchés et ainsi se sauver de l'enfer. Voilà maintenant. Et il commence avec qui? Il commence avec ses enfants. Pourquoi? Parce que le mal qu'on fait à quelqu'un, plus cette personne mérite le respect, plus ce mal est grave. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, si je tape mon ami, c'est pas bien. Mais si je tape un vieux, c'est pire. Mais si je tape mon père, aïe, c'est encore pire. C'est pire. Est-ce que vous voyez? Donc, si on a fait du mal, le pire qu'on puisse faire, c'est contre ses propres parents. Et c'est pour ça qu'il commence avec ses enfants. Parce que c'est sur ses enfants qu'il peut espérer arracher le maximum de hasanat. C'est à ses enfants qu'il va arracher le maximum de hasanat. Bibani, wa sahibatihi wa akhi, et ensuite sa femme, et ensuite son frère, wa fasilatihi allati tu'wi. Il m'attend. Et le groupe parmi lequel il vivait, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, et tous ceux qui sont sur terre pour se sauver. Hein? Et vous voyez qu'Allah n'a pas mentionné ses parents. Parce qu'il ne va pas venir le jour dernier réclamer des hasanettes à ses parents. Parce que le bien que les parents nous ont fait, on ne peut pas le payer. Malgré ça, Allah dit qu'Allah, inna lada, non, c'est l'adra, c'est l'enfer. Il va y aller. Parce qu'il a certes arraché des hasanettes aux gens, mais lui aussi, il aura des hasanettes à payer. Et ça ne va pas. Hein, ça ne va pas compenser tous les péchés qu'il a fait. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Il reste des choses à dire. Inch'Allah, si Allah facilite, on continuera la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah.